Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. J'espère tout d'abord que vous avez passé une très bonne semaine. Vous allez nous voir au sommaire de cette émission, on va vous parler d'un attelage vraiment innovant qui sera dévoilé dans quelques jours en France. On va aussi vous parler d'un moteur bicarburation que l'on va retrouver sur les 4x4 Duster. Et puis, vous verrez, il existe aujourd'hui des solutions pour financer l'achat de matériel. Des solutions certes exceptionnelles, mais assez innovantes. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Perard a développé une nouvelle table d'épandage pour épandre des produits entre 500 kg et 15 tonnes par hectare sur des largeurs de travail allant jusqu'à 24 mètres selon les produits. La porte de régulation et le contrôle électronique permettent de doser et d'assurer une arrivée constante de la matière sur les hérissons. Cette table se distingue par l'intégration d'hérisseaux horizontaux émietteurs. L'édition 2013 du Tractoguide publié par l'ACTA recense les principales caractéristiques des tracteurs et machines automotrices proposées sur le marché français. Ce guide est disponible auprès de l'ACTA pour 51 €. Dans la nuit du 15 au 16 mars 2013, 6 tracteurs ont été volés au sein d'une concession John Deere dans le Gers. Bonne nouvelle, ils viennent d'être retrouvés en Hongrie. En effet, la police hongroise a procédé à l'arrestation de 4 individus. La valeur de ces 6 tracteurs est supérieure à 400 000 €. Pour les 6 mois à venir en Europe, sauf malheureusement pour les pays de l'Europe du Sud, les investissements en matériel agricole restent à des niveaux élevés. Après une hausse de 5% des ventes en Europe en 2012, les constructeurs de travail du sol, semis, fertilisation et de protection des cultures s'attendent à une demande stable en 2013. Selon les derniers résultats du baromètre mensuel du CEMA, plus de la moitié des constructeurs interrogés font état d'une situation de l'entreprise bonne ou très bonne, et près de la moitié des entreprises prévoient une nouvelle croissance du chiffre d'affaires au cours des 6 prochains mois. Vous allez le voir, c'est une conception assez étonnante d'un attelage. Il va être dévoilé dans quelques semaines en France. La société Gangel Docking System va présenter pour la première fois en France, dans une exploitation maraîchère, son système d'attelage rapide GDS sur des tracteurs de 70 à 125 chevaux. Avec ce système d'attelage rapide, la connexion se fait en quelques secondes de manière entièrement automatique. Le GDS 3 est composé de 2 pièces. Le module principal pour le tracteur, et le module outil pour chaque outil de travail. Le module principal est disponible en plusieurs versions et peut être modifié selon les besoins. Il peut être monté aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Le module outil se trouve sur l'outil lui-même. Il peut être soudé individuellement ou fixé au moyen d'un système d'enfichage. Après avoir lancé un compte Twitter spécifique, John Deere Allemagne récidive avec un clip vidéo montrant que même si vous achetez la plus belle voiture du monde, votre pouvoir de séduction sera toujours inférieur à celui d'un conducteur John Deere comme le montre, avec humour, ce teaser. C'est aussi l'occasion de signaler qu'un journal allemand a classé John Deere parmi les 10 marques les plus attrayantes pour les jeunes diplômés.
On va le retrouver sur la gamme Duster de Dacia. Il s'agit d'un moteur bicarburation essence GPL. Dacia introduit sur sa gamme Duster en version 2 roues motrices un moteur bicarburation essence GPL 1,6 litre de cylindrée et délivrant 105 chevaux. D'après ce constructeur, la consommation est de 9,2 litres au 100 km en GPL contre 7,2 litres en essence. Son autonomie est de 10 000 km. On retrouve le réservoir GPL de 32 litres sous le coffre à la place de la roue de secours, mais un kit de gonflage est fourni. Le Duster bicarburation est disponible à partir de 13 350 euros. C'est une histoire étonnante. Il s'agit d'un agriculteur qui a décidé de financer l'achat de matériel grâce à une plateforme internet. Image. Vous souhaitez acheter un matériel, mais vous ne disposez pas des fonds nécessaires? Avec un peu de chance, vous pourrez trouver une solution avec kisskissbankbank.com. Ce site repose sur le principe du financement participatif. Thomas Bounen, agriculteur du Nord-Pas-de-Calais, avait alors pour ambition de mettre en place une installation en maraîchage biologique pour acheter un outil de travail du sol. Kisskissbankbank lui a donc permis de réunir près de 8000 euros en 60 jours. La contrepartie aux dons reçus est symbolique. Thomas Bounen a gravé le nom des donateurs sur sa machine et les a conviés à un pique-nique. Ainsi, cette méthode permet avec Maëlys de solliciter la générosité de ses proches avant d'en appeler aux internautes. Nous vous en avons souvent parlé, il s'agit d'un véritable succès en matière de jeux sur PC, il s'agit de Farming Simulator. Alors il est déjà disponible sur PC, il est disponible aussi sur Mac, et dès le mois de septembre prochain, il sera disponible sur console de salon. Farming Simulator était réservé jusqu'à présent aux joueurs sur ordinateur. L'éditeur Giant se décide enfin à sortir une version console sur Xbox 360 et PS3. En prime, il offre du contenu exclusif, une plus grande surface de jeu, des nouveaux lieux et du nouveau matériel Orche ou Quasi-H. Gérer votre ferme depuis votre canapé, c'est un rêve qui devient réalité dès septembre 2013. On va parler de nouvelles technologies en compagnie de Michel Tramier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes PDG de Gverneland Group France. Vous avez lancé il y a 6 mois une offre IM Farming. Quelle était ou quelle est l'originalité de cette offre? Alors, l'offre IM Farming, c'est un concept. Les produits associés à ce concept, c'est à la fois un terminal Isobus de nouvelle génération, donc qui a des très hautes performances, un ensemble d'applications et également des outils. Et les outils représentent une grande part de cette offre. Ce sont des outils Isobus adaptés à l'agriculture de précision. Et si on se projette dans le futur, quels sont vos objectifs pour 2013, voire peut-être 2014? Alors écoutez, 2013, on veut pour le moins doubler les performances qu'on a eues en 2012 et ça sera sans doute relativement facile puisqu'on a placé énormément de références et que ces références, on va les traiter de manière très appliquée et très soigneuse, de manière à ce que ça soit des très bonnes références. Donc il va y avoir un effet d'entraînement et de boule de neige. Il faut savoir qu'on pense que d'ici la fin de cette décennie, le chiffre d'affaires que pourra générer cette activité globale, hein, on aura des concurrents évidemment, mais dans notre secteur, ce nouveau chiffre d'affaires sera de l'ordre de 600 millions d'euros. Donc niveau, c'est énorme. À quelle échelle? Au niveau français, marché 600 français. 600 millions d'euros en 8 ans. En 8 ans. En équipant simplement moins de 60 000 agriculteurs. Donc c'est 10% c'est de la population agricole. Et ça, les calculs sont vraiment faciles à faire et on a repéré les zones et on essaye de repérer les clients potentiels pour ce type d'activité. Donc vos objectifs, concrètement, c'est quoi? À nos objectifs, très honnêtement, si on ne prend pas 20% de ce marché, c'est qu'on a vraiment une énorme avance sur ce marché. Voilà, grâce à nos... Donc on a pris une avance et cette avance est quasiment, est difficilement rattrapable. Évidemment, tout le monde travaille là-dessus. We'll be right back.
Imaginez demain, vous n'aurez peut-être même plus besoin de toucher l'écran de votre ordinateur de bord dans la cabine de votre tracteur. En effet, une société innovante a mis au point un système de reconnaissance des mouvements. Votre innovation, donc Samuel Ozols, bonjour. Alors vous êtes plutôt dans les technologies, alors vous allez nous montrer, faire la démonstration en direct. L'idée c'est quoi? C'est de prendre simplement une webcam et de la doter de cette capacité à pouvoir détecter le mouvement, par exemple d'une main, à distance. Alors vous avez pris un ordinateur, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est un ordinateur portable traditionnel qui est équipé d'une webcam, si vous pouvez bien mettre le doigt pour montrer à quel endroit elle se trouve. Et effectivement, un peu comme avec certaines consoles, vous êtes capable de pouvoir changer la page automatiquement. C'est bien ça? Oui, alors c'est exactement ça. Nous, on vient donc de l'univers des gamers et on voulait produire une technologie qui suffise de télécharger. On sait bien que la Kinect, c'est un boîtier qu'il faut installer en plus. Et nous, on voulait faire quelque chose de plus démocratique, que tout le monde puisse avoir chez lui. Alors montrez-nous un peu comment ça fonctionne. On va passer la main plusieurs fois pour vous montrer. En fait, il suffit de passer sa main devant. Alors c'est juste une des applications de la technologie. Évidemment, on fait des choses qui sont aussi beaucoup plus costauds, où on peut faire voler des objets, on peut conduire une voiture sur cette même technologie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et repassez encore la main pour qu'on voit bien, ça veut dire qu'il y a zéro contact et vous êtes capable aujourd'hui de piloter l'ordinateur dans ce cas-là uniquement avec un mouvement. C'est la reconnaissance de gestes, c'est ça? Voilà, exactement. De toute façon, se baser sur la vue pour reconnaître des gestes, c'est ce que font les êtres humains. C'est le système qui a adopté la nature. Donc finalement, c'est peut-être le système le plus intelligent à la fin. Alors vous savez que nous sommes dans le domaine des tracteurs. Et les tracteurs, il y a beaucoup de technologies dans les cabines des tracteurs. Demain, on peut peut-être imaginer qu'effectivement, on pourra ou vous pourrez commander directement votre tracteur, tourner les pages de votre console sans même avoir à les toucher. Pour finir, vous savez que vous pouvez nous retrouver tous les jours sur notre chaîne YouTube avec des contenus inédits. Voilà, Power Boost est terminé. Je vous souhaite bien sûr une très bonne semaine.